tellement bien à Weimar, je suis tellement heureux. Il y a une qualité de vie, et on le dit, on le répète très souvent, une qualité de vie sur l'île qui est complètement différente d'autres endroits. Alors c'est sûr, on est même peu sur le bord de la Loire, parce qu'on est sur la Loire carrément. Et c'est vrai qu'on a aucun confort autrement, on n'a qu'un service à côté, mais je me dis, cette quiétude et cet environnement qui est remarquable, ça vaut tous les services qu'on pourrait avoir autrement. Il y a un climat un petit peu particulier parce qu'on vit sur une île et ça crée, notamment au moment des inondations, un lien qu'on ne trouve peut-être pas partout ailleurs. J'apprécie déjà la Loire, ça c'est clair, puisque tous les matins quand je me lève, j'ouvre mes volets, je vois la Loire. Elle est différente tous les jours, hein, par rapport à la lumière, par rapport à la hauteur de la Loire. Là, cette année, elle est basse, ce qui est bien dommage, parce que nous, on aime bien qu'elle vienne nous rendre visite. Moi, j'appelle ça, hein, que la Loire vienne nous rendre visite quand elle inonde, hein, et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu d'inondation. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie beaucoup à Bévard, c'est les lumières. Le matin, le soir, je fais beaucoup de photos et c'est vraiment magnifique. Le bord de Loire, en fait, c'est un lieu qui n'est jamais le même. Que ce soit au niveau de l'eau, la couleur de l'eau, la couleur du ciel, que ce soit des périodes comme en ce moment qui sont avec une plage très, très étendue, ou d'autres moments quand la rivière déborde, chaque jour n'est jamais le même. Ok. Je peux y aller?